Bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu, commencé le 16-12-12 et terminé hier, le 24-12-12. Amour, mes chéris, vous avez tellement aimé le mal que vous avez besoin de bien. Vous avez tellement été aveugle que vous appelez la lumière. Vous avez plié sous tellement de jougs que votre deuxième prénom est liberté. Vous avez tellement haï que vous devinez la beauté de l'amour. Ces appels de plus en plus conscients font que tu es vivant. Et pour un nouveau goût de nourriture, il fallait qu'elle existe. Ma propre substance pouvait enthousiasmer seulement dans des dizaines d'années, et encore. J'ai donc joué ma dernière carte pour ta facile assimilation. Marie et Thérèse, proches de toi, par leur désir, sont quand même en tant qu'esprit à des milliers d'années-lumière de ta sensibilité. Je les ai créés pour elle, pour toi, mais surtout pour moi, traçant définitivement une croix rouge sur mon besoin légitime que tu t'éveilles seul. Je t'ai dit à d'autres appétits, autre nourriture. Tourner à petits pas autour de ton pâté de maison ne demande pas autant d'oxygène et de vitamines que pour courir 42 kilomètres. Mon troisième mousquetaire, celui que j'ai voulu qu'il restât près de toi pendant des dizaines d'années et qui représente le patrimoine humain et ses sentiments, celui-là à qui j'ai donné la présidence de la fête de la vie, celui qui était donc l'humain par excellence, la présence exclusivement d'amour, je le crée en esprit pour que sa proximité antérieure t'aide d'une façon magistrale, appuyée sur sa production de nature humaine, mais investissant l'univers que seuls les dieux arpentent. Willy t'a dit l'immense vide, plutôt l'espace qui s'est offert à lui. En lui, tu peux maintenant avoir cette appréhension. Au lieu de laisser venir les pensées pour tout ce que tu as à faire, ressens cet immense néant que tu vas peupler. Déjà dans un an ou 20 ans, tu auras acquis, compris des éléments qui ne t'effleurent pas aujourd'hui. Te parler de 1000 ans ou 100 000 ans n'atteint aucun de tes rêves. Tu n'appréhendais pas l'infini parce que tu allais avoir une fin. Dans les données terrestres existentielles, tu te doutes que depuis que j'ai des enfants, je n'ai jamais reproduit physiquement le même. Sauf pour te démontrer que je peux tout faire, par les vrais jumeaux. Tu sais qu'il n'y a jamais eu le même dessin de flocons de neige, ni aucune flamme similaire, et que dans les équations de l'univers, un zéro manquant dans les sens du calcul remettrait en question la loi de gravité, la pression atmosphérique équilibrée qui maintient tes yeux dans leurs orbites et empêche le sang de sortir par tes pores. Ce que tu vois de la matière jusqu'à l'infiniment petit ne te sert pas à grand-chose, car à moins que je ne te fasse un clin d'œil, tu ne verras jamais l'origine, puisqu'elle est l'esprit. Le macrocosme n'est pas à ta dimension. Un centimètre cube de matière pesant 100 000 tonnes te montre la fragilité de tes 50 ou 90 kilos. L'infini est donc déjà dans le passé, qui est mort derrière toi, et le futur qui, je le veux, t'appartient. J'ai trois êtres de lumière car il me les fallait. Quelques-uns en état de métamorphose assistée et une multitude d'ensommeillés. Que ce soit les 7 milliards de mes enfants ou 1000 fois plus, si c'est un cœur, alors qu'il peut être immesurable, il ne prend en fait en l'esprit aucune place. Ces chiffres et ces états te dépassent? L'aile de la foi et l'océan de la connaissance amènera devant ta porte ce que tu penses intouchable.
As-tu su exiger une foi dans ta vie? Je ne parle pas de ce qui t'a poussé ou d'une nature volontaire. Je te parle de ce que tu ne veux pas changer et qui te fait du mal. Je suis l'exigence absolue jusqu'à la dernière feuille du dernier rameau de tous les arbres. Je ne me suis rien laissé passer. Je ne laisse rien au hasard, qui est encore mon loup de carnaval. Et si tu écoutes ta vraie nature et que l'exigence est d'acier trempé, la terre va se modeler à ta volonté. Il n'est pas normal que sous tes bénédictions les champs ne redeviennent féconds. Il n'est pas normal que la race humaine s'agite alors que ses actions, en communion avec moi, peuvent produire le paradis. Il n'est pas normal que j'anime à cause de ta liberté tout ce que j'exècre. On te parle de fin du monde, mais qui me parle amoureusement en m'interpellant? Mon Dieu, c'est vrai, on est allé trop loin. Tu es rentré dans un courroux définitif, que tu veux que la belle création de la terre entre dans la phase de sa destruction et que soit notre pulvérisation avec. Est-ce qu'un enfant va dire à son géniteur, « Papa, tu regrettes de m'avoir mis au monde parce que je fais des bêtises et que je ne sais pas trouver les mots qui te montreraient mon affection ?» Et je te l'ai tellement peu montré que cette arme dont tu me menaces est mon châtiment. Allons, mes enfants, vous vous faites bien assez de mal seul. Je veille sur la terre depuis 5 milliards d'années et je changerai d'avis. Le vent qui me ferait changer de direction n'a jamais existé et n'existera jamais. Sauf pour t'aider et t'aimer plus encore. 21-12-2012. La fin du monde n'a pas eu lieu. Il est vrai que je n'avais pas été mis au courant. Mais une ineptie pareille, acceptée par ceux qui s'acceptent en mouton, font qu'ils réfléchissent différemment et se posent quelques questions. Le brassage des comportements est positif, à la longue. Mais je t'ai toujours dit que le sacrement de la communion a la force du plus faible maillon. Je redis la phrase. Mais je t'ai toujours dit que le sacrement de la communion a la force du plus faible maillon. Le sacrement est maintenant mondial. Où est ta faiblesse? Dans ton manque d'exigence? Dans ta volonté détournée de mon but? Ou plus simplement de ton manque d'amour. Je te fais dire un en tous, tous en un, tu ne peux te départir du violeur ou de l'assassin, car dans les mêmes conditions et sans mon enseignement, tu serais capable des mêmes actes. Je ne te parle pas ici pour te mettre plus bas que terre, mais je veux que ce que je ne peux pas faire directement, car la conscience est étouffée, se fasse grâce à toi, comprenant la symbiose obligatoire de chacun en moi et de la responsabilité primordiale par rapport à ton frère si je t'ai éclairé. Ce n'est qu'un changement de mentalité, avec un peu plus de ton cœur pour moi et mon œuvre. Même si tu n'éprouves pas toujours mon amour, il est toujours là, puisqu'il est le socle de mon vœu et le besoin de ta naissance. Que te manque-t-il? Qui ne soit pas que le mien. Que crains-tu? Si tu pouvais connaître encore la mort, je te parle d'anéantissement, tu perdrais tout. Mais je te considère plein de ma vie. Que crains-tu? Pour la plupart, vous ne voyez les belles plages qu'à la télévision. Vos amours ont du plomb dans l'aile. Ta passion scientifique change tous les 10 ans. Dis-moi ce qui reste. Es-tu fier de tout ce qui te fait rire? Aimes-tu un tableau pour la beauté qui en émane ou son prix? Ce qui te fait vibrer et te rend heureux ou t'élève, c'est en moi. Peaufiné jusqu'à l'extrême, pour que le jour où tu me désires vraiment personnellement, tu assimiles sans même mâcher.
Je sais ta question. Comment je peux t'aimer autant? Rien de plus facile. Je l'ai décidé. Et j'ai décidé en même temps que rien ne me ferait changer d'avis. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Je suis très heureux d'être ton étoile. Mon image dans ce cas est lointaine et tu ne connais pas l'état de l'omniprésence pour m'atteindre. Willy t'a dit que la vie est en toi. Je suis donc la réalité de ton illusoire image. Il est vrai que je suis en toi, au niveau de la connaissance acceptée et de ma tendresse révélée. Mais pour tous et pour le moins, je vous constitue dans la forme de mon désir inscrit dans ta chair. Tu as le besoin de te multiplier, car c'est mon obligatoire nature. Et quand ce n'est pas pour obtenir une progéniture, c'est la réussite de tes affaires, l'aile supplémentaire de ta maison. En fait, prendre une envergure quelconque. Une graine ne s'accepte pas sans croissance. Si c'est le cas, ces micro-éléments feront par d'autres cycles, avec les secrets du vivant, d'autres épanouissements qui n'auront rien à voir avec les possibilités initiales. Je ne veux plus cela pour toi. L'évolution n'a servi que mes desseins. À un quelconque point de sa vie, l'homme de tout temps pouvait me choisir. J'ai trouvé mes solutions pour t'atteindre en individu. Les prédictions et les prophéties n'ont plus lieu d'être puisqu'unis, ta volonté remodèle le monde. Et si c'est ton cœur, il te fait retrouver mes aspirations initiales. Noël est ce moyen. Devenant souple au goût de faire plaisir, tu t'attendris. Et j'ai le désir d'être ta première cible. Mon cadeau, en conséquence, c'est que tu retrouves cet état quand tu le veux. L'élan avant la volonté. Le cœur avant la sensibilité. L'amour avant l'utilité. La môme chantait la terre peut bien s'écrouler si tu m'aimes. Je te criais ma manière d'être. Et que depuis que j'ai créé l'amour, mes créations peuvent disparaître. J'aurai toujours autant de plaisir à réengendrer. Mais le nourrisson que j'ai d'abord porté et qui s'ébat depuis des siècles à l'air libre ne peut faire autrement que d'avoir l'envie d'aimer et d'être aimé en quête. Par extension, de me chercher moi. Je t'ai déjà dit que tu es un foyer ou que tu n'en es pas. Je m'offre. Réalise que je suis la plus sûre des îles au milieu de l'océan de tes envies affectives qui, même dans une ambiance festive, peuvent frôler des tempêtes. Déjà mon amour se manifeste. Je te bénis de tout cet amour. Il te nomme tendrement dans l'ambiance, affirmé. Et en catimini, j'aime que tu entendes cette individualisation. Tu as représenté longtemps des milliers de personnes qui te ressemblaient. Je ne peux pas te dire encore que tu es devenu unique, mais ton essor permet un sillage prometteur, protecteur aussi. Je suis le fécondateur, et cette nouvelle année sera sous le signe de la fin de toutes les stérilités. Tout ce que tu fais avec moi doit porter fruit. J'aime te parler, j'aime agir avec toi. Féconder tes actes leur donne la réussite. L'extrême désiré, c'est que les points rapprochés de tes diverses communions deviennent l'unité parfaite de la ligne qui te fasse voir la merveille de ta fécondation personnelle. Amour, mes chéris, votre Dieu. Voilà, vous avez mon mail. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si ça vous fait du bien, si vous pouvez l'utiliser dans votre existence, et si ça vous plaît d'avoir régulièrement ces nouvelles du ciel. Amour à tous et très belle fête.